le résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam du cheikh Haytham Sarhan hafidhahullah. Partie 1, sa guidée et ses caractéristiques. Sa généalogie. C'est l'être humain qui est doté de la meilleure généalogie à la surface de la terre. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Héraclius, empereur des Romains, dit à Abu Sufyan: je t'ai interrogé sur sa lignée et tu m'as dit qu'il était issu d'une noble famille. Il en est ainsi pour tous les messagers. Ils disposent d'une haute filiation dans leur peuple. Il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et Adnan fait partie des enfants d'Ismaïl, lui-même fils d'Ibrahim, Abraham, l'ami intime d'Allah.